Metalia, bon sang, dépêche-toi, Dread Knight. Essaie de sentir où sont les piliers et occupe-t'en. S'il y a vraiment un chaman par ici, alors il vivra près d'un pilier. Le chaman pourrait très bien être un protecteur de piliers. Bon, tu l'as entendu. Continuons de chercher, Honey Knight. Alors, les sorcières sombres, c'est intéressant. C'est intéressant, notamment si on veut faire la vraie fin. The Witch and the Red Knight, comme... beaucoup de jeux de Nice, ou... de Compile Heart, ou ce genre de boîte. Ça a plusieurs fins. Notamment une mauvaise fin, une fin véritable et une bonne fin. Alors sachant que pour The Witch and the Red Knight, vu qu'ils ont un esprit totalement tordu, les noms des fins sont inversés. Genre je sais plus dans quel ordre, mais genre la bonne fin et la mauvaise fin ou un truc du genre. Le canyon de la sorcière, non. Ok, ouais, voilà. Bel et bien. Un Caterpillar par ici. Mystical Dodge, cool. On va essayer de faire le Caterpillar. Très bien, très bien. Généralement, je cours pas derrière les bonnes formes. Genre, par exemple, Hyperdimension Neptunia, on a fait le premier et le deuxième épisode. Et on a fait que les fins normales, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de fins différentes. Notamment pendant le deuxième opus, c'est la race de fin différente. Là pour ce The Witch and the Other Knight, je sais pas encore quelle fin on va faire. Mais si vous voulez faire la fin la plus développée, on va dire. Il va falloir que vous alliez au chapitre. Je sais plus combien. Mais le chapitre qui décide de la fin que vous allez faire, globalement. Et avant de finir ce chapitre, il faudra faire toutes les sorcières sombres. Malgré la doctrine de la sorcellerie, on pourra toutes les péter. Ce sont des boss assez, assez forts. Ah, j'achète des cookies. Ouh, je consomme des trucs, c'est vrai que j'oublie de consommer sans arrêt alors que cette mécanique existe pour quelque chose. Donc voilà, pour le moment nous en tout cas ces boss là, si on peut les éviter, on les évite. Hein. Enfin de toute façon normalement on n'est pas censé avoir le niveau pour les combats d'après ce qu'on vient de nous dire. Mais à côté de ça, j'aurais dû prendre le TP du coup. Ah, il y a une barrière. Ça sert à ça, les barrières stone, j'imagine. Mais à côté de ça, on verra si par la suite, on reviendra dans les chapitres pour faire ces sorcières sombres en plus. Ces boss en plus qui ouvrent de nouveaux chapitres derrière pour avoir la fin la plus développée du jeu. Il y a une hutte plutôt suspecte par ici. Est-ce que tu penses que le chaman vit dans les parages? Wow, attends une seconde, il y a une barrière là. le genre de choses qui nous font typiquement perdre du temps. Oublie l'idée de la désactiver. Charge dedans avec détermination et pète-la. En avant, Honey Knight. J'ai l'impression que ça va pas marcher. Ça ne marche pas. On ne va pas l'écouter et on va prendre ce chemin qui nous mènera peut-être. La vache. Non, mais au-dessus, il y a 115 caterpillars là, c'est juste. Terriblement dangereux. On va choper. Chop, 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 chop.
Ah, une autre barrière. Enfin, une pierre de barrière. Oh, oh. Oh, le mur de glace qui a dit non. Très bon pour dire non. Excellent. Est-ce qu'on a gagné? Ah, tu l'as bien détruit. Ah, c'était vraiment un coup parfait à regarder. Merci. Merci, Manny. Ce chemin au-dessus, là, il me fait très peur. Hein. Parce que c'est, ça a l'air d'être... Il y a un mec un peu plus fort que la moyenne, là. Avec la petite tête rouge. Et 112 000 pattes. Le mot de passe. Du silence. Eh ben bien joué, c'était ça. Là vous êtes. Oh bah quoi qu'il en soit, venez donc. La maison de Nab. Mon nom est Nab. Qui pouvez-vous bien être? Ah, c'est le chaman. Il faudrait mieux qu'on soit sûr, mais... Penny Knight. J'avais oublié que t'étais complètement... muet. Mais on a cette lettre. Montre-lui. Adrian Knight... montre la lettre. Enfin, donne la lettre avec la roquette d'antidote à Nerb. Oh, merci beaucoup. En effet, je pense que j'ai attrapé un peu froid avec ce temps. Et il utilise la lettre pour se moucher, hein, globalement. Ce n'est pas vraiment ce qu'on avait prévu. Lia est encore endormie. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? Je me suis rendu compte que tu avais faim et que tu étais perdu. Alors tu es venu ici pour de la nourriture. C'est bien ça? Je n'ai pas de nourriture à offrir, mais à la place, j'ai ma propre faveur à te demander. Il y a un pilier en haut de cette colline. Enfin, ce n'est pas très descriptif, mais... C'est un truc invisible et plein de magie. Quelque chose protège ce pilier. Mais quelque chose est censé protéger ce pilier, mais je crois que ce dernier a mal choisi et a fait n'importe quoi. Il a choisi un petit insecte. Et c'est devenu une sacrée nuisance. Ah, il est vraiment dégueulasse à regarder, si tu me demandes. On dirait que tu sais te battre. Alors est-ce que tu pourrais le bousculer un petit peu? Bute-le et je te nourrirai comme jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Étant donné que c'est un marché, purement business, ne viens surtout pas me hanter si jamais il s'avère que tu viens crever. Ouais, mais... Comme par hasard, ça aide bien ce mec. Mais en tout cas, ça peut nous aider aussi. Si on arrive à faire clore ce pilier, Lia pourra arriver et parler à ce mec directement à propos de son antidote. Rien ne pourrait se passer mieux que ça. Allons-y. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter? Tu vas refuser? Qu'est-ce que tu fais? Vu que de toute façon, t'as complètement saqué ma pauvre petite lettre... Oui. Et si je peux choper un repas en même temps... Imaginez Undread Knight devant de la vraie nourriture. Lui, on n'arrête pas de lui refiler de la merde, il est super content. Imaginez-le devant un vrai buffet. Alors tu vas le faire. Je ne retiendrai pas ma respiration. mais je pense que je vais t'attendre ici. Dans tous les cas, je n'ai pas de nourriture pour vous maintenant. Allez-vous-en. Super, merci mec. Je déteste.
Bon bah très bien. Ah non, non, alors là, là c'est la fin d'un monde. Ouf, oh, j'ai pris tellement cher. Ok, faut vraiment qu'il fasse ce coup-là. Comme ça, je lui mets des coups sur le côté, là. En plus, il est tellement long que je peux lui faire un triple glace. Et ça, c'est juste merveilleux. Par contre, au niveau des PV, là... Alors, c'est bien, mais j'ai pris cher. Hein. Ça. Alors il y avait un mini boss en plus, un autre mille pattes, non? Je sais que c'était la fin du monde là quand on passait en dessous, on avait plein de monstres. Ok. Vas-y, vas-y, crache ton truc. Oh oui, je peux le bouffer. Je peux bouffer un Caterpillar. J'espère que ça m'a redonné 1 million. Oh la vache. Oh oui. Oh oui, ça m'a mis bien. Oh, j'ai 1 million de garbage. Mon estomac est plein. Mais par contre, qu'est-ce que ça m'a mis bien. Merveilleux. Et là, j'ai un pilier pour rentrer chez moi. Je suis aux anges. Retourner à la base, j'ai des points à distribuer avant. Ouais, j'ai 6 points. On va faire ça doucement. Hein. Comme j'ai déjà expliqué, la seule fois où j'ai essayé de faire croix et de spammer le fait de donner plein de points d'un coup, j'ai craché. Donc, on va y aller doucement. En toute sérénité. Yes, pile poil ce qu'il fallait pour monter de rang. On retourne à la base. On a 2448 points d'XP à gagner pour de vrai. Niveau 10 pour le Marginal Gaze, niveau 18 pour Wonder Knight. Oh oui, oh oui, oh oui. Ah oui. J'ai gagné tellement de trucs là. On pourra upper l'équipement. Je vais regarder aussi si on peut acheter les cookies. C'est vrai que j'en utilise quand même de temps en temps. Allez, 73 ici. Lui, il y a 52 en effet, mais... On remarque, non, on s'en fout, c'est un épique. Un légendaire. 673 ici, là. Voilà. Et ici, j'ai un Cold Charm. 20% poison. De magie quand même. On en revient toujours au même. 10 freaking pulsins de magie. J'ai envie de dire non. Comprenez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a en magie? Magie, magie. On en a 1, 2. Ok, on a les deux bâtons. En 3. En 3, j'ai du 67. Un million de fois mieux que ça déjà. Et ensuite, en 2, j'ai du 68. 34. 34 qui peut endormir. C'est pas dégueulasse. 68. Donc 20 pour ça. Ensuite, en blunt. 1, 2. Ok, j'ai deux trucs pour blunt. Deux marteaux. 4 et 4 tous les deux, ok. J'ai un 73 en 4. C'est un 23, il est épique. Légendaire ou rien. Ok. Et ensuite, en slash. Alors slash, j'en ai 1, 2,
Mais les faux, c'est dégueulasse, hein. Alors, les faux, vu que ça fait pas beaucoup de dégâts, je pense que c'est l'attaque en elle-même qui doit être vraiment bien, en mode ça doit faire tout un cercle autour de Undream Knight ou un truc comme ça, mais... Je veux des dégâts, moi, merde. J'ai deux Bloody Cern. En 3 et en 2, j'ai 65. Déjà le 2. En 3. En 3, c'est ma légendaire. C'est ma légendaire, mais elle est à 43, ça commence à coûter cher pour l'améliorer. Hein. J'ai dépensé beaucoup de thunes dessus, mais tant pis. C'est assez forte. Ensuite, 65 en 5. 68. Ok. Quoi de neuf. Et 88. Ouh, en 4. 40. Ouais, on va repartir sur le 88. Hein. 88 ici. Excellent. Excellentissime. Ah là, lui, il a augmenté comme pas possible. Hein. Slash, là. Hein. Il n'y a que la première arme qui est restée la même. Dommage, parce que c'est le coup qu'on donne le plus souvent. Mais sinon... Sinon, on se porte plutôt bien. La magie a bien augmenté aussi. Cool. On va aller vendre des trucs. Je peux le raider maintenant, ce truc-là. Je crois que ça a loupé. Plus deg. Ah oui, non, mais je suis avec mes bâtons. Je suis avec mes bâtons. Là, je vais prendre mes vraies armes. Raider avec les bâtons, hein, c'est toujours un peu naze. J'ai l'impression. Alors qu'avec des épées, vous allez voir, ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Ah, parce que c'est quand même un bâton grade 5. Donc ça a l'air très fort. Équipement. Le bâton grade 5. Qu'on vient de se prendre. C'est en 4. J'ai 28. Et c'est du 34. Pour un grade 5, c'est dégueulasse 34. Mais. Remarque, non, c'est de la magie donc. Si, c'est dégueulasse. C'est officiel, c'est dégueulasse. Mais ça reste mieux que ce que j'avais. Donc tant mieux. Ah, c'est peut-être encore une fois le type de bâton qui envoie un sort qui est juste trop bien. Ah là, pas pour un point. Ah mais j'ai un bowel dump. Énorme ça. Ça je vais le garder, ça me permet d'enlever tout le garbage que j'ai dans mon estomac. C'est la purge. Ça vaut cher, 980 cette merde. Pas de cookies, mais je le déteste. Je le hais. Il vend ça. Hein. Est-ce que je suis prêt à acheter ça? Non. Je peux pas faire cet achat, je suis désolé. J'aurais peut-être dû. Visite. Choper pas mal d'animaux, encore beaucoup de pierres d'amélioration d'armes. Se faire un petit plaisir, mais c'est pas des armes légendaires sur 2-3 armes, notamment mes rangs 1, j'aimerais bien les améliorer. Ça, c'est mon rang 1 en bâton.